Dag beste kijkers, van harte welkom bij de wekelijkse notendop van Almoatin TV. Deze week bespreken we Le droit de fait van Larsen Hamouche en ecofeminisme van Manel Mezelmi. In Le droit de fait was de zevende schepen van Molenbeek, Angelis Goris, CDH, te gast. Zij heeft in Molenbeek een conseil d'année, dus een raad voor ouderlingen, opgericht, waarbij zowel interculturele als intergenerationele dialogen plaatsvinden. Un aantal fragmenten pour eux. Le Conseil des aînés, on l'a mis sur pied il y a 2 ans, donc il n'y en avait pas précédemment. Mm-hmm. Alors quel est le but d'un Conseil des aînés? C'est parti d'abord d'un constat de ma part, qu'à Molenbeek, il y a beaucoup d'aînés. Mm-hmm. Or, souvent, on considère les personnes qui ne travaillent plus mm-hmm. comme des personnes inutiles mm-hmm. à la société. Mm-hmm. Eh bien, pour ma part, j'estime que ce n'est pas du tout vrai. Ce sont des personnes qui ont une compétence, qui ont souvent une sagesse, mmh. Qui ont traversé une vie professionnelle ou une vie familiale et qui ont toute une connaissance à apporter mmh. et qui ont aussi un regard de sagesse sur le mmh. monde. Alors, mon idée a été de pouvoir créer un conseil des aînés où les aînés se rencontrent. Et ce conseil est divisé en plusieurs sections, si vous voulez. Il y en a une commission qui s'occupe de tout ce qui est santé, mmh. Oui. Santé, sport pour mmh. les aînés. Une mmh. qui s'occupe de tout ce qui est rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Il y en a une qui s'occupe de plus la prévention. De mobilité oui, oui. et une qui s'occupe de tout ce qui est visiteurs à domicile. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais agrandir encore mmh. davantage, c'est de retisser du lien social dans notre société. Parce que nos communes, alors Molenbeek est convivial, hein, mais beaucoup de gens, malgré tout, souffrent de solitude. Et vous visez aussi l'interculturel, l'intergénérationnel. Comment vous faites en fait ce travail interculturel au sein de la commune de Molenbeek? Eh bien, par exemple, avec le Conseil des aînés, quand on va... il y avait une grosse demande par rapport à tout ce qui est informatique. Eh bien, mmh. j'ai proposé à ce que la start-up Molengeek, mmh. où sont actifs beaucoup de jeunes mmh. originaires de... Évidemment, qui sont nés à Molenbeek, mmh. mais dont les parents sont originaires du Maroc, par exemple, mmh. hein, que ces jeunes enseignent les seniors, qui sont des seniors souvent belgo-belges. Hein. Mmh. Et donc, pour moi, à la fois, c'était une occasion de donner son savoir mutuel, mmh. de rencontres interculturelles et un dialogue intergénérationnel. Voilà. Oui, oui. Pour moi, c'est un exemple mmh. très concret, mmh. Parce que ça doit passer par la valorisation. Moi, je me pose une question par rapport... aux formations au niveau de l'enseignement, c'est le manque d'importance qui est donnée à l'apprentissage des langues. Mmh. Je pense que si nos jeunes apprenaient à bien parler le français et le néerlandais, mais à les maîtriser, mmh. je pense qu'on leur donne vraiment une carte supplémentaire pour trouver du travail. Mmh. Et ça, quand je vois que dans certaines sections, certaines filières, il n'y a plus l'apprentissage des langues. Et quand les jeunes sortent, et on leur dit « Ah oui, mais pour travailler à Bruxelles, vous devez parler néerlandais. Mmh. » Ou inversement. Oui. Mais je dis « C'est de l'hypocrisie alors au niveau de l'enseignement. Mmh. » Et moi, je plaide pour qu'au niveau de l'enseignement, on veille à ce que ces jeunes aient au moins cette carte-là. Verder benadrukt Gilles Goris het belang van tweetaligheid en bespreekt de opening van een Europese kunstbrasserie te midden van de grote markt van Molenbeek. Et encore un aantal fragmenten pour eux. Par exemple, au niveau culturel, je pense que la place communale maintenant a été mise à piétonnière. Mm-hmm. On est en train d'y installer, il y a eu dernièrement l'ouverture de Brass Art, mm-hmm. d'un café artistique, oui. mais aussi plus européen. Je pense que c'est important de donner des signaux que tout est possible à Molenbeek, mm. dans le bas du Molenbeek, que tout le monde y est le bienvenu. Mm. Quand on va en Afrique, j'étais plusieurs fois en Tanzanie,
Eh bien, le matin, on entend l'appel à la prière, on entend les cloches de l'église, les personnes se promènent, les unes sont voilées, les autres ne le sont pas, les communautés sont très proches les unes des autres, et il y a un respect de ce que, de ce, la différence. Et c'est ça, le vivre ensemble. Et pour moi, c'est ça. Tout à fait. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Mmh. C'est que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il est, là où il est, mais dans le respect mutuel. Et là, on n'est pas encore arrivé à ça. On va y arriver. Voilà. In écoféminisme, est zanger, journaliste et photographe et CEO van Powershots, Alexander Louvet, de gast. Louvet bekijkt het leven graag vanuit een positieve invalshoek. En deze invalshoek volgend verspreidt hij ook graag het goede nieuws als journalist, in tegenstelling tot sensatie, tot negatieve sensatie. Ik laat voor u Louvet aan het woord. Okay, I just try to catch the positive points of Europe. So all the other things, the details, everybody can discuss, but I just try to find out the positive things. And because of my job, I know a lot of high-level politicians very well. Mm-hmm. And these are actually the people who are criticized mostly by the citizens to say, oh, these politicians, what politicians. And so I started with that, and I started with my own channel called Powershots TV, mm-hmm. Positive Energy in Europe. There is a big problem, yes, because the press is, I mean, the press is doing a perfect, good job in a way that they make a research. But the press wants and needs a scandal, wants news, you see, anything wrong, you see. And this is a little bit when you as a citizen, you hear the whole day in the news, oh, it's bad, it's bad, it's bad. So you get yourself like depressed of some, and then you get a bad thinking about Europe. And maybe it's not, it's simply wrong. Because what you hear is one side, but you don't hear the other side. And I try to show the other side. Personally, I think what I heard also from the leaders, it's... the situation, you see, for young people is very difficult at the moment. Mm-hmm. We have to be, first of all, clear that there is a lot of unemployment. Sure. I talked to the Vice President Sefcovic, and he said, listen, I was myself, I go to all the universities, I talk to young people. Mm-hmm. He was in Rome for the declaration. Ooh, that's and, very good. And, but he was very surprised, as he said, even for sure in Rome, so many young people enthusiastic, really believing in Europe. In Europe. And on the other side, Europe is, knows there is a lot of unemployment. But on the other side, Europe is creating a lot of jobs, a lot, you see. So this situation, you see, for example, now when we have in Spain an unemployment situation, but it's also because we had a very big crisis we have after the back. So at the moment, it's going much, much better, you see. Absolutely. And young people is the future of Europe. So it's the most important thing, you see. And Europe is investing a lot of money with the Erasmus projects and everything. Education, you see, because that's all about. It's education, you see, because you have to change in life, you see, what how you say, with smartphones or with computers, it's a new life. So, and people have to adapt themselves and you have to learn. As I said, for example, I started as a musician and now I'm a photographer. And now I'm even in TV, you see. But you have to change in life. You, see, you have to go with the time. And young people, they need a chance and they will get a chance. But it's the education, it's formation and so on. Trains. Future of Europe, for example, there will be a lot of jobs because we have the energy, the new energies, renewable energies, green energies, good for the planet, good for us because it's creating jobs. A lot of new jobs, you see, that we don't understand actually. See, when entrepreneurship, in green economy. And it's for both sides very good, you see. We're going to create our own energy and a clean energy. Yes, going fossil fuels. Never forget also, we are champions, we are leaders in Europe, for example, for safety. Safety and we have the best food, for example, healthy, safe food in Europe. Mm-hmm. We are the champions of the world. Mm-hmm. So Europe gives very hard laws that they must be respected to have this support. This is really what blocked at a certain moment the TTIP negotiations, because Europe was really paying attention to the laws and respecting health and safety laws, absolutely. And therefore we live very good here in Europe, and it's a little bit that the future, you see, to learn this to young people. On the other hand, and that's also the main issue, is still the word peace.
Sure. That the older generation, the older people or politicians also insist to explain this to young people. Afsluitend nog het weerbericht voor u. Ik bedank u voor het kijken. Wens u nog een aangename dag toe. En tot volgende week. Dag.